Merci, Fred, pour réalité. Saviez-vous que pour que du chocolat s'annonce comme du chocolat, ça prend 30 % de cacao? Sinon, c'est une friandise. Et dans une friandise, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre du sucre, des produits chimiques, du poulet, ou pire encore, du poulet chimique sucré. Une bonne blague. Donc, il faut vérifier le pourcentage de cacao, et plus il est élevé, mieux c'est. Comme par exemple, si vous tombez sur une tablette de chocolat comme celle-ci à 70 % cacao, mangez immédiatement. Ah, peut-être juste enlever le papier avant, là, parce que c'était plus sympathique. Quoique, pas mauvais, même, c'est bon. Oh, phew. OK. OK, vite. Ouais. Non. Il faut... OK, vite. Oh, vite. Fred? Ouais. Est-ce que c'est toi qui as mangé mon chocolat? Yes! What? Quelle espèce de gros... De gros... Gorée! Voyons, pourquoi tu me fais des beaux compliments comme ça? C'est pas un compliment, c'est une insulte. Un gorée, c'est un porc. Un porc frais? Écoute-moi bien. C'est vraiment toi qui as mangé mon chocolat? Non, c'est pas moi. Menteur! Tu viens juste de me dire que oui, puis avec un gros sourire en plus. Yes! Mais non, je parlais de mon jeu. C'est la première fois en 1000 ans que je réussis à effoirer le gros globe de Gowelder. De quoi, là? De quoi? Je te parle du chocolat que mon père m'a ramené de voyage de Paris, hein? C'est du chocolat Tiangina, super écœurant, avec 70 % de cacao dedans. Mon père me l'avait ramené à cause du nom, là. Angelina, ça ressemble super gros à Véronique. Angelina, ça ressemble pas pantoute à Véronique, là? Hey! Angelina, 9 lettres, Véronique, 9 lettres, allô? C'est identique. Ah, ouais, c'est vrai. De toute façon, c'était symbolique, là. Il y a quelqu'un qui a mangé mon symbole. Je suis vraiment désolé qu'on ait mangé ton symbole, là. Fred, la prochaine fois que tu viendras travailler dans mon bureau, là, j'aimerais ça que tu ramasses tes traîneries. J'espère au moins qu'il était bon. Hey, Bash, tu savais-tu que c'était la fête à Lulu aujourd'hui? Oh, ouais! Hey! C'est quasiment intéressant. T'es pas fin. Tu penses qu'il a quel âge, Lulu? Je sais pas, mais il doit être vieux rare. J'imagine le jour de sa naissance, il y a très, 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 très longtemps, là. Il y avait un petit œuf de dinosaure, là. Il s'est ouvert, puis là, Lulu est sorti. Arrête. Alors, moi, je suis sûre que Lulu serait super content si on lui faisait un petit surprise party. Ben, si c'est pour que Lulu soit content, là, go! On lui fait un gros surprise. Wop, wop, wop. Depuis quand, là, tu te soucies du bonheur de Lulu, toi? Regarde. C'est stratégique. Si Lulu est content, là, il nous tombe moins dessus. Mmh. Il nous tombe moins dessus. On a moins de travail. Sébastien content. Je me disais aussi. Fait qu'on va y organiser le plus beau surprise de sa vie. On lui fait plein de cadeaux. On lui dit qu'on l'aime, pis tout. Oui. Avec quoi on va payer? Ouais. Ah, oh, on devrait financer ça avec l'argent de la petite caisse. Wow! On doit avoir au moins 95. Mais là, wow, on n'a pas besoin de tant que ça. Cents. 95 cents. Mmh. Ouais, on a besoin d'un petit peu plus que ça. Pas faire grand-chose avec 95 cents. Ben, encore un petit 5 cents, puis on va pouvoir y acheter son cadeau au magasin de pièces. C'est du chocolat de luxe de chez Angelina. Ils font ça depuis 1903. 1903? Goûtais pas le vieux, pourtant. Tu vas me le rembourser, mon chocolat, hein? Puis je te jure, c'est la tête de ma mère que ça va te coûter un bras. Ah, ouais, comment ça vaut, ça? Cher! Ah, ça tombe mal, hein? J'ai pas d'argent, puis je tiens vraiment à mon bras, là. Menteur! C'est toi le plus riche de toute la gang. Tu mens comme tu respires. Je ne mens pas! Je pratique la vérité alternative. Qu'est-ce que
que tu vas nous inventer là encore? Ben oui, admettons que t'as envie de compter un mensonge, OK? Là, là tu te répètes dans ta tête, c'est vrai ce que je dis. C'est vrai ce que je dis. C'est vrai, c'est vrai. Tellement, là, que maintenant, tu vas être convaincu que c'est vrai ton mensonge, puis même un détecteur de mensonge pourrait pas te pogner. Ah! Hey, c'est pathologique, ton affaire, hein? Je vais faire une affaire avec toi, Fred. Hmm? Tu me dois plus rien si, d'ici 5 heures, t'as pas dit le plus petit début du commencement du plus infime, minuscule mensonge. Hein? Mais si tu mens d'ici 5 heures, là, ben c'est toute ta paye de la semaine que tu vas me devoir. Et Yanni est témoin. Mais là, c'est pas correct, ça! C'est contre nature, c'est de la discrimination, c'est du racisme anti-menteur! Mais t'avais juste à pas manger ma tablette de chocolat! Je vais t'aider, Fred. Hein? Je vais le faire avec toi. Pas de mensonge pour moi non plus. Oh, le jeu de la vérité. Comme quand j'étais jeune. Ben, je veux dire beaucoup plus jeune, parce que je suis encore jeune. Ah, moi aussi, j'embarque. Mais là, jusqu'à 5 heures, là, pas une minute de plus. 5 heures, t'attends. Aucun mensonge d'ici là. Mon oncle. J'aimerais ça te parler en privé à 5 heures. À 5 heures pile, je suis encore au bureau. À 4h57, je suis dans mon bureau. À 4h58, je ferme ma valise. À 4h59, 22 secondes, j'enfile mon veston, je prends mes clés. Et à 5 heures et 1 seconde pile, je sors du bureau. Hey, wow, c'est précis. Oui, mais encore moins que mon retour à la maison. Hein? À 5h04, je monte dans ma voiture. À 5h05, je sors du stationnement. Oui, c'est correct, j'ai compris, là. Mais de la porte du bureau à la porte de la maison chez nous, ça me prend en moyenne 37 minutes et 29 secondes. Je croise 12 arrêts, 16 feux de circulation, 3 chats, 2 chiens... Oui, non, c'est correct, mon oncle. Comme ça, c'est parfait. À 5 heures? À 5 heures, pile, c'est ça. Hey, ça va nous faire bien plaisir que tu sois là, là. Comment ça, nous? Ben oui. Moi, puis toi. Moi, ça va me faire plaisir, puis toi, de t'écouter parler, c'est sûr que ça va te faire plaisir. Bye. Hey, Manu. Alors, on organise une petite fête pour Lulu, puis je ramasse de l'argent. Penses-tu que tu peux me donner quelque chose? De l'encouragement. Hey, bonne chance! Manu? Quand Lulu est content, là, il t'estime pas mal moins pour tes chroniques, hein? Bon point. Bon point, Bass. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Tiens. C'est des bas collants. Ils sont flambant neufs. Des bas collants? C'est quoi, là, on les mange ou on les accroche au plafond? Hey, tu triches! Ah, ben, tricher, c'est pas mentir, là. Salut! Salut! Vous auriez pas un petit peu d'argent? Non, j'ai vraiment rien sur moi. Ben non, moi non. Moi, j'en ai. Ah, cool. Mais je peux pas t'en donner. Pourquoi? Parce que mon argent est placé. T'es sérieux, là? C'est l'absolue vérité. Non. Attends un petit peu, Sébastien. Fred, Sébastien, c'est ton ami, hein? Ouais. Pis les amis, ça se dit tout, hein? Je pense que oui. Toi, là, est-ce que tu dirais que Sébastien a pas de défaut? Je peux pas dire ça, non. Comme ça, il y a des défauts. Je pense que oui. Comme? Je l'ai vu. Hein? Je l'ai vu. Pardon? Il pue des pieds! Ah. Ouais, c'est même pas vrai! Ben oui, c'est vrai. Quand t'arrives, on a l'impression que c'est un camion de vidange qui s'est renversé. Mais non, c'est les pieds de Sébastien. Ah. Voyons donc, c'est ridicule, votre affaire. Vous le prouvez, moi. Je sens rien, moi. C'est ton sens, en tout cas! Si tu croises une moufette, c'est elle qui va se pincer le nez, tu sais. OK, là, j'avoue, peut-être ça sent un petit peu, mais c'est très léger. Très léger. Ça sentira jamais aussi mauvais que tes pieds à toi, Fred. Ben, je pue même pas des pieds. Ouais. Ben, pas aujourd'hui. En tout cas, je me suis lavé. Ah ouais? Prouve-le. OK. OK. Moi, t'as le prouvé, pas de trouble. Tiens, viens. Je sens rien. C'est quoi ton secret? Moi, ça s'appelle déjà, c'est du... ouais, on est du... du savon, c'est ça.
Je ne pue pas des pieds, donc je ne suis pas un menteur. Ben, pas aujourd'hui, là. Ouais, en tout cas, moi, je vous laisse. Fred, ton histoire là, d'argent placé, là, c'est vrai, 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 ça? Absolument, à 100 %. Et placé où? À la bourse? Ah, non. Dans mon portefeuille. Maintenant que vous avez votre look rave, je vais vous montrer une petite danse qu'on peut danser dans un rave. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de regarder en bas, suivre les numéros qui sont sur les pas. Comme ça, je vous montre une danse très facile à faire dans un rave. Mais bien sûr, il faut la faire avec de la musique en suivant le rythme. Vous êtes-vous demandé pourquoi il y a des mains par terre? Ah, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, musique. Ah, c'est cool, hein? C'était Manu pour réalité! Manu, là, je comprends pas pourquoi tu fais pas une capsule sur la musique de mon époque. Non, il y avait de la musique à ton époque, Lucien. Ben, il me semble. Ben oui, il y avait de la musique. De la vraie musique, Lucien. Pas du monde qui cogne sur des roches autour d'un feu de caverne. Non, non, de la vraie musique puis de la bonne. Oh, on avait les Moody Blues. Ah, oh, ça, c'était bon, les Moody Blues. Ah! Oh! Mais là, si c'était si bon que ça, les Moody Blues, on les entendra encore à la radio. Non, non, c'est... Moi, te dire pourquoi. Deux raisons. Un, ça intéresse personne. Deux, ça intéresse personne. Ben, c'est la même raison. Hein? Ben oui, t'as dit un, ça intéresse personne. Deux, ça intéresse personne. Ben, ça fait juste une raison, ça. Ben, c'est ça que je dis, Lucien, ça intéresse personne. Oui, c'est vrai. Bon, d'accord, les Moody Blues, ça vous intéresse pas. Mais la danse, en général, ça vous intéresse, peu importe les époques, hein? Ah, oh, tu pourrais faire ça sur le monkey. Où il y avait le ska. Puis il y avait aussi le funky chicken. Ah, oui, d'abord. Lucien, fais pas ça! Face! Face! T'as plus jamais ça. C'est-tu de quoi t'as l'air quand tu fais ça? Non. T'as l'air de quelqu'un qui... Qui a envie, tu sais. Ah, bon, OK, OK. Tu pourrais faire ça aussi sur le bunny hop. Ah, ça, c'était le fun, le bunny hop. Tout le monde se mettait en ligne à la queue, là. Ça se dansait à peu près comme ça, là. Ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la. Qui la collecte d'argent? Super bien! On va pouvoir faire des belles guirlandes en bas collant. Quoi tu parles? Ah, je t'expliquerai tantôt, là, regarde. On n'y arrivera pas si on trouve pas de cash. On a besoin d'argent. Mais comment on va faire? Je le sais. Tu vas aller voir Lulu. Au jeu de la vérité, on a le droit de poser toutes les questions qu'on veut. Hein? Ça t'oblige à te regarder en face. De faire péter la face par ton ex-meilleur ami. OK, OK, OK. Qui commence, là? Moi, commencez-moi avec toi, Yannick. Oh, une fois si, je t'écoute. OK. C'est-tu vrai que t'as vraiment plus que 30 ans? Non, frère, franchement, là... Ben quoi? C'est ça ou c'est pas ça, le jeu? Ah, hein? Oh. Oh, tu joues très bien, Fred, hein? C'est... Y a aucun problème. Ta question est valable, c'est correct. T'as quoi ta question, déjà? Quel âge que t'as? Je viens juste d'avoir 17 ans. Fais-le. Pour la deuxième fois. Aïe. Bon, OK, c'est à mon tour. Fred, c'est quoi ton plus gros défaut, hein? À part de toujours dire la vérité, hein? Mon plus gros défaut? Attends un petit peu. Faut que j'y pense. Sincèrement, là, je vois pas. Fred... Mais non, je te le dis, là, je le sais pas. Ah oui, j'ai une grosse tache de naissance, là, juste en... Ben, vraiment en dessous du nombril, là. Mais là, c'est pas un défaut, ça? Ben oui, c'est un défaut. Veux-tu le voir? Non, c'est correct, j'espère, là, je te crois. C'est à toi, Véron.
C'est-tu vrai que tu manges toujours, toujours juste des affaires bonnes pour la santé? Non. Ça m'arrive des fois d'aller manger au palais de la patate quand t'es pas là. Tu manges des gros hamburgers dégoulinants pleins de cholestérol saturé. Là, non, quand même, je prends une poutine, tu sais. What? C'est quoi? C'est végétarien, la poutine? Ah, la poutine, c'est végétarien, n'importe quoi! Mon oncle? Hein? Déjà toi? Dis-moi pas qu'il est déjà 5 heures. Si je voulais te parler à 5 heures, c'est parce que je voulais te demander si tu voulais me prêter de l'argent. Ah, aucun problème! Ma réponse est non. Mais on peut en discuter. C'est pour quelqu'un de vraiment important. Oui, mais mon argent, c'est pour quelqu'un de vraiment important aussi. C'est pour moi. Je voulais pas t'en parler, mon oncle. C'est pour Yannie. Oui, on voudrait y organiser un petit surprise party ce soir. Ben voyons donc, dis-moi pas que l'anniversaire de Yannie tombe le même jour que le mien. Ben oui. Il y a des drôles de coïncidences dans la vie comme ça. Pauvre Yannie. Elle va être super triste. Mais on a rien, rien! Pas de décoration, pas de cadeau, pas de bouffe! Hey, super party à côté de la machine à café, tu sais! Est-ce que tout le monde a un café? OK. Ceux qui ont faim, là, gênez-vous pas! Il reste plein, plein de petits bottes en plastique. Si tu me prends par les sentiments, là... Ah, t'es fin. Moi, je te jure qu'on va y dire que c'est toi qui as tout payé, hein? Ça sera là, ma bonne action de la journée, hein? Tiens. Ben, wow. T'as encore ça, toi, des piastres puis des 2 piastres en papier. Ouais, ben, je garoche pas mon argent par les fenêtres, moi. Merci. Regarde, je vais te laisser ça là. Il est rare, hein? L'argent, quand est-ce que vous allez me le remettre, là? Il y a 2 possibilités. Soit jamais ou jamais. Ben voyons donc, c'est pas 2 possibilités, ça. Jamais ou jamais, c'est 1 possibilité. Je suis fort en quelques-deux. Et pour terminer avec les cadeaux bon marché, n'oubliez pas d'aller faire un tour au magasin à 1 piastre. C'est incroyable tout ce que vous allez pouvoir trouver là-dedans. Comme par exemple, cette superbe statuette faussement antique, n'est-ce pas? C'est ça qui est génial avec l'art. Les gens n'ont aucune idée combien ça peut valoir. Ça peut valoir 1000 piastres comme ça peut valoir juste 1 piastre. Oh non! J'ai brisé la précieuse statuette! Pourtant, c'était un original. Je pense que je vais en avoir besoin d'une autre. C'est quoi cette facture-là? C'est pour des piles AA. Ouais, mais on n'en avait plus. 19,95 pour des piles AA. Mais il n'y en avait pas en vente. Il me semble qu'il y a toujours une marque en vente de ces piles-là. Là. Ben non. C'est pas parce que j'ai pas magasiné. J'ai fait 3 grands magasins, 6 pharmacies, 12 dépanneurs, dont un à Longueuil, s'il vous plaît. Ah! Pas de vente nulle part, 0, niet. Bon, ben, je vais te rembourser, Fred. Oui, Véronique, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est beau, j'ai affaire à Fred après. Hé, hey, Fred, t'es sûr qu'il n'y avait pas de vente, là? Pas mal sûr, là. Ah, ouais, c'est vrai, il y avait des petits coupons rabais, là, 2 piastres. Oh, ben, j'apprécie ton honnêteté, Fred. Non, c'est vrai, c'est de plus en plus rare de nos jours des gens francs et honnêtes. Bon, ben, tiens. 19,95, je te donne 20 $, tu peux garder le 5 cents. Mais je vous remercie beaucoup, monsieur Sans Souci. Mais tu m'impressionnes vraiment, Fred. Dire la vérité comme ça, c'est... Justement, je voulais vérifier une autre facture avec toi, là. Une facture de 6,95 pour la pizza Gino. Est-ce que ça a été dépensé pour le travail, ça? Non, pas du tout. 6,95. Et il y a cette autre facture aussi de 13,10 pour de la guimauve, des chips barbecue, Oui, c'était passé pour le bureau, ça? Je vous le dois aussi, monsieur, sans souci. Ah, bon, ça fait 25. Tu me dois 5 cents. 4h30. J'ai jamais eu autant en haut qu'il soit 5 heures. Qu'est-ce qu'il reste à faire, là? Je peux gonfler des ballons. Il reste tout ça. C'est juste une petite supposition comme ça, là, mais... Si t'avais à inviter une de nous trois au cinéma,
Laquelle t'invitera en premier? Ça dépend, là. J'aimerais vraiment ça le savoir. Moi aussi. C'est vraiment une bonne question. Hey, pour dire la vérité, là, tu sais, c'est ça, ça dépend si le film est en couleur. Tu sais, si le popcorn est frais. Fred! Là. Laquelle de nous trois t'invitera en premier? Ben, celle que. Ah! Ah, ben! Gardons ça. Il est 5 heures. Eh bien, celle que j'inviterai, c'est un secret que je vais garder pour moi. T'es plate. Peureux. Pas peureux. Prudent. Hein? J'ai appris que toute vérité n'est pas bonne à dire, puis j'étais un petit peu trop franc à mon goût aujourd'hui, et ça m'a coûté 20 piastres. Mais je peux quand même vous dire quelque chose. Si j'invitais une de vous trois au cinéma, là, ça serait un mardi soir, parce que les mardis soirs, c'est moins cher. En tout cas, merci encore, Lucien, pour ton aide. Sans toi, j'aurais jamais eu le temps d'emballer tous tes cadeaux. Dis-moi donc, c'est quoi ça? Une statuette? Super rare, hein? D'ailleurs, ils ont fait plein de copies à partir de l'original, c'est celle-là. Hein? Ah, oui, je me souviens. Il semble que je l'ai déjà vue quelque part, mais hein, fais-y attention, c'est précieux, hein? Oui, très, très, très précieux. Bon, ben. Juste à mettre ça dans une boîte à cadeaux. Pourquoi vous donnez un kit de rasage à Yanny? Il me semble que pour une femme, c'est insultant. Oh non, non, Yanny, elle s'en sert pour raser son chat. Son chat? Ah! Ah! Tu sais, ton tatou, là. Là, les cadeaux! Et c'est moi qui ai la carte, alors tout le monde doit signer, hein? OK, attention, tout le monde, Yanny s'en vient! Surprise! Surprise! Bonne fête, Lucien! Vous auriez pas dû! J'espère que ça vous a pas coûté trop cher! Pas champagne, tout! On est tous très, très contents, là, même si on n'est pas toujours d'accord avec toi, de fêter notre patron. Mon oncle. Puis on aimerait ça remercier la personne grâce à qui tout ça a été rendu possible, grâce à sa générosité, Monsieur Lucien Sans Souci. Hey! Bravo! Bravo! C'est vrai, c'est moi qui ai payé pour tout ça. Bonne fête!